a fait une vilaine grimace. Il a pourchassé mon démon. Ce sera sa faute si le mode Fuego entre en éruption. En éruption? Désolée, ma sœur a construit cette chaise d'un nouveau genre, mais elle grince légèrement. Continuez. Notre village se trouve juste au pied de la montagne. Et si le Mont Fuego entre en éruption, la lave détruira tout sur son passage. Je vous en prie, aidez-nous, princesse Elena. Et tout ne dépend pas uniquement de la princesse. Une affaire de cette importance doit être discutée et approuvée par la majorité des membres du Grand Conseil. Qui ? Il veut dire que nous devons voter avant d'agir. Et je décrète que nous devons chasser ce monstre d'Avalor. Le chasser? Je suis d'accord avec Esteban. C'est une question de sécurité publique. Bien, est-ce que... Je suis désolée. Est-ce que ce monstre a un nom? Il se fait appeler... Charoka! Eh bien, puisque le Mon Fuego ne gronde que lorsque Charoka est en colère, pourquoi personne n'a cherché à savoir ce qu'il contrarie? Comment? On ne peut pas discuter avec un monstre tel que lui. Nous devons passer à l'action. Oh, c'est vraiment agaçant ce bruit, vous ne trouvez pas? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais jeter la chaise. Mais ce n'est qu'un simple grincement. Pourquoi ne pas essayer de la réparer? Exactement. Je ne jetterai jamais quoi que ce soit avant d'avoir essayé de le réparer. Alors pourquoi chasser Charoka avant d'avoir essayé de régler son problème? Ah.